Bah là on est à 15 minutes du mariage. J'espère que le marié va venir quoi, sinon ça serait dommage. Puis il fait beau donc la journée commence bien quoi. Bah écoute Thomas, plein de bonnes choses. Véronique et toi vous formez un très joli couple. C'est vrai. Que Clément regarde aussi. Voilà. Clément, tu veux dire quelque chose toi aussi? Ah, faut que j'aille le changer, je crois. Bon, bah, à vous les studios. Je leur souhaite énormément de bonheur à tous deux. C'est un événement particulier, c'est toujours un plaisir d'assister à un mariage, surtout quand c'est ses propres enfants. Plein de bisous et des vœux de bonheur. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. Tout va très bien, ne t'inquiète pas pour moi. T'inquiète pas pour moi, regarde, j'ai rien sous les aisselles, tout va très bien. À Véronique et à Thomas en leur disant qu'ils sont réunis aujourd'hui autour de leur famille, de leurs amis, dans cette salle des mariages d'Ablon pour y célébrer un acte très important puisqu'ils vont se marier. Comme vous le savez tous, vous êtes jeunes et vous allez donc procéder à un acte très important pour votre vie. Quand je vous ai rencontré pour préparer cette cérémonie, Thomas, vous m'avez répondu sans hésiter lorsque je vous ai demandé si vous aviez une passion, Véronique. Et Véronique, vous a désigné également comme sa passion. Donc, on comprend pourquoi on est réunis aujourd'hui pour célébrer cette union. Et je trouve que c'est important de rappeler aux jeunes mariés que la société, la République, organise le mariage d'une certaine manière et que ça, à la fois, ça donne des droits et des devoirs. Donc maintenant, je vais vous demander de vous lever. Là, je vais poser les questions, j'y vais. Je les pose. Thomas Jollet, consentez-vous à prendre pour épouse Véronique Salignac, ici présente? Oui. Véronique Salignac, consentez-vous à prendre pour époux Thomas Jollet, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Bravo. L'acte de mariage étant signé, maintenant vous êtes officiellement mariés. Yeah.
Vous avez aimé le mariage à la mairie? Oui. Oui. Je pense que vous adorerez le mariage à l'église. Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu. Dieu est amour. Alors, voilà cet amour qui a jailli comme une source et dont le chant remplit la vie de Thomas et de Véronique avec du bonheur. C'est une surprise de la vie. Ce jeune homme et cette jeune fille marient leurs différences. Ça, ils en parlent, leurs différences. Ils sont différents par leur origine, par leur culture, par leur philosophie de la vie ou leur sens religieux, mais ils s'aiment. Aimer, dans un premier temps, je dirais, ça n'est pas difficile, ça vous envahit, mais aimer bien, vouloir le bien de l'autre avec respect, avec persévérance, avec délicatesse, apprendre
à penser ensemble, parce que ça n'est pas spontané, qu'on dise vraiment, qu'on puisse vraiment dire nous, préférer ce qui rapproche à ce qui éloigne, et constituer ainsi ce nous qui va être d'abord nous deux, que vous direz, mais qui va devenir un jour nous ensemble dans une famille. Ça ne peut pas seulement se faire avec des sentiments, des émotions, des étreintes, ça se dit avec des projets, avec de la construction, avec de la fidélité, avec de la persévérance. Aimer, ça n'est pas difficile, mais il faut bien aimer. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre en toute liberté, qu'ils se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie, qu'ils accueillent les enfants que Dieu leur donne et les éduquent selon l'évangile du Christ et la foi de l'Église. Thomas et Véronique, est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage ? Vous, Thomas, oui. Et Véronique. Oui. Pouvez-vous nous dire ce qui vous rend confiant aujourd'hui en vous présentant en tous et dans cette église pour entrer dans la vie du mariage ? Je crois que d'abord demander à Véronique. Pour moi, le mariage signifie la concrétisation de nos sentiments et de nos problèmes. Ça signifie aussi avant de rencontrer Véronique, je ne croyais qu'en moi, mais voilà que j'ai découvert une femme belle et pleine de valeur. Je me suis donc mis à croire en elle, pour enfin croire en nous. À défaut de croire en Dieu, je crois en ma déesse. Thomas, voulez-vous prendre Véronique comme épouse et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie, le promettez-vous ? Oui. Et vous, Véronique, voulez-vous prendre Thomas comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie, le promettez-vous ? Oui. Les témoins vous ont entendu ? Nous tous aussi, vous nous avons entendu. Par ce oui, je reconnais que vous êtes unis par Dieu dans le mariage. On peut les applaudir. Que le Seigneur bénisse les alliances de la chaîne que vous êtes remises l'un à l'autre en signe d'amour et de fidélité. Thank you.
Que du bonheur et que tout se passe bien dans leur vie de couple. C'est tout ? Ouais, ce sera tout pour moi. Ce sera tout pour ma part. Voilà, un joli mariage avec plein d'amour et de joie. Tous mes vœux de bonheur. Bah également tous mes vœux de bonheur et puis que tout se passe bien dans leur vie. Tout le bonheur du monde. Ouais, que du bonheur et de bonnes choses. Et tout, plein de santé. Enfin, faire tout, beaucoup quoi. D'enfants. Ouais. On va passer sur TF1. Oui, bien sûr. C'est tout. Qu'ils fassent des bons enfants. Du bonheur. C'est tout. Et des enfants, c'est tout. Plein de bonheur, de beaux enfants, et puis plein de bonnes choses, quoi. Vie éternelle, grand bonheur. Sentez bien tous les deux. Du courage. C'est pas tous les jours facile. Et puis, qui nous génère un peu des petits travailleurs, bientôt, là, j'espère. Ils sont mariés, c'est pas pour rien, non? Alors, au boulot. Et oui, du bonheur, oui. Je mange, en fait. Beaucoup de bonheur. Que de bonheur. Je leur souhaite tout le bonheur qu'ils désirent et de les voir très très souvent. Je les embrasse. On leur souhaite de bonheur, voilà. Beaucoup de bonheur. C'est tout. Qu'est-ce que vous souhaitez? Que du bonheur, la réussite. C'est un couple qui sont assez jeunes, mais ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent. Donc que du bonheur.
Allez, bisous, bisous. Bah, beaucoup de bonheur, autant de bonheur que nous en avons pu en connaître, moi et ma femme, que Jean-Michel et Michel ont pu en connaître. Et donc, à la fois un bonheur épanoui, de longue durée. Voilà. Tout le bonheur de vie de couple, beaucoup de réussite, tout ce qu'on peut souhaiter de bon. Beaucoup d'enfants, bonne santé, plein de bonnes choses. Félicitations en japonais, donc omedetto. Voilà. Omedetto. Omedetong. Alors, Thomas et Véronique, je vous souhaite plein de bonheur. Et puis, surtout, plein d'enfants et plein de voyages. Voilà, des gros bisous. Plein de bébés. Très rapidement, parce que l'enfance, c'est la vie. Donc aussi, plein de bonheur, la réussite et tout. Et nous disions justement avec ma cousine par alliance que la vie était belle. Peut-être. Laura peut rajouter quelque chose ? Non, je crois que tu as tout dit. Ah ben, tous mes vœux de bonheur pour Thomas et Véronique, surtout pour Thomas et surtout pour Véronique. Voilà, j'ai marié mon fils aujourd'hui. Je suis très contente. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. Et puis voilà, hein, après, c'est eux qui vont faire leur vie. J'espère que tout ira bien pour eux. Je leur souhaite, comme tout le monde, le plus de bonheur possible. Je leur souhaite de ne pas tomber dans la routine. Je leur souhaite de découvrir le monde, de profiter de la vie, d'avoir des enfants, d'être heureux et de jamais oublier le plaisir d'être ensemble, ensemble entre eux, ensemble avec leurs copains, ensemble avec leurs familles. C'est pareil, mon tamoul. Oui, en français, anglais, tamoul. Ok. Merci. Thank you, Nandri. Français, anglais, tamoul. Selon le Natya Shastra, la danse crée la beauté. Elle conduit à un état intérieur mystique. Fusion entre soi et l'univers, entre l'artiste et son Dieu. Cette danse est sacrée parce qu'elle a son origine dans la danse de Shiva, l'un des trois dieux de la Trinité hindoue. Ce dieu est celui qui veille à la bonne marche du monde. Lorsque le mal envahit l'univers, il détruit celui-ci par sa danse pour recréer le monde. Par conséquent, pour le danseur, l'art qu'il pratique devient une forme de prière et d'adoration de Dieu. Tat tayi tayum tat tam ket.
À la Bollywood. Bon, bah, moi j'ai pas d'imprimante. Bah, y'a pas de texte. Hein. Voilà, pour moi c'est un jour assez particulier parce que bah, c'est la première fois que je participe à un mariage. Donc voilà, c'est possible en 23 ans qu'il n'y ait personne autour de vous qui se marie. Et surtout parce que bah, c'est pas n'importe qui se marie, c'est mon pote, c'est Thomas, c'est Guélouron, c'est, voilà, c'est Autoprod, tout ça. Et ça fait plaisir. Thomas, on s'est connu il y a 5 ans. On faisait des Big Mac et des cheeseburgers ensemble, c'était génial. Et puis après, on est devenus amis. Hein. Il y a eu des hauts, beaucoup de hauts. Il y a eu pas tant de bas que ça. Il y a eu en bas. Puis il y a eu des baskets, quoi. Et voilà, maintenant 5 ans sont écoulés. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je suis habillé comme un pingouin. Et ça fait plaisir et c'est grâce à toi, donc déjà merci. Ouais. Et puis voilà, tu vas te marier avec Véronique. Ouais, hein, Ah mais j'ai pensé au truc, c'était avant le mariage. Et puis Véronique, ça fait pas trop longtemps que je te connais, ça fait depuis que t'es avec lui. Hein. Et puis prends bien soin de lui. Hein, parce que comme le pape là, ou enfin le curé là, il a dit tout à l'heure,
Fabio, c'est son ami d'enfance, et moi je suis son ami seulement, mais je resterai son ami toute la vie, et j'espère que toi et Véronique, ça va bien se passer, voilà. Bravo! Vous êtes prêts, les jeunes époux? Alors, ouais, voilà. Ouais.